50 manifestement. Trop bien. Ouais. C'est quoi la moyenne d'habitude? Bah alors je viens pas tout le temps moi, donc je peux pas être un bon critère, mais. Allez, des fois on était déjà 10 quoi seulement. Ah ouais, c'est vraiment casse-pied. J'en ai déjà vu 40 maximum, mais 50 c'est la première fois moi personnellement. Ah là, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Tout le temps mes déplacements. Tout le temps. Il n'y a pas un moment où je filme pas. Enfin si, quand je suis chez moi. Alors pour ma sécurité, et aussi parce que donc j'ai une chaîne YouTube et je diffuse des images sur YouTube. Et des fois, même souvent, en dénonçant les mises en danger que je vis et en expliquant. Comme ça, ça me permet aussi d'expliquer le code de la route, comme il y en a plein qui ignorent par exemple. Qu'on ne peut pas dépasser un cycliste dans une zone cyclable, il y en a plein, il y a plein d'automobilistes qui ignorent même ce que c'est une zone cyclable. Et donc il y a toujours plein d'automobilistes qui dépassent les cyclistes dans les zones cyclables, c'est interdit, donc moi déjà je ne me laisse pas faire, je ne me laisse pas dépasser, et comme ça je fais des vidéos comme ça et j'explique. Voilà. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais au moins à force, les gens finissent par comprendre. Donc voilà. Réapprendre sur certains égards en accompagnant un de nos fils qui apprenait à rouler. Chaque année, il y a des changements. Chaque année, il y a des choses qui changent. Mais bon, moi j'avoue que ça m'énerve parce qu'il y a toujours plein de gens qui disent « Oh, mais je pouvais pas savoir, j'ai passé mon permis il y a 15 ans. » Moi, personnellement, je l'ai passé il y a 22 ans. Et toutes les subtilités, tous les changements qui sont parus, bah, je les sais parce que je m'informe. Et en plus, franchement, c'est même pas dur de s'informer parce qu'à chaque fois, on est averti dans les journaux. Attention, changement dans le code de la route à partir du 1er juin, il y a ça qui change. Donc vraiment, celui qui ne sait pas, c'est parce qu'il ne le veut pas, quoi, en fait, parce qu'il ne s'intéresse pas au sujet. Bah, ça intéresse tout le monde, puisque tout le monde se déplace sur l'espace public. On est tous censés connaître le code de la route, même cycliste ou piéton aussi. Ça, c'est l'illustration même de la masse critique. Il y a une masse de cyclistes. Les gens sont super prudents.